L'idée de venir à Montpellier, c'était aussi proposer le même enseignement qu'à Paris aux personnes de la région. Vous ne pouvez pas aller à Paris, nous venons à vous. Actuellement, les élèves viennent de toutes les régions du sud. Je viens d'Avignon, je viens de Perpignan. J'ai vécu dans les villages avant à côté de Montpellier. De la Côte d'Azur jusqu'à Toulouse, en passant par Nîmes. Certains élèves viennent de Lyon. Et pour le cours Florent, j'ai décidé de vivre à Montpellier vraiment. Et du coup, ça change radicalement ma vie. Ce qui compte, c'est que l'acteur, lui, il est un objectif clair. Soyez très précis dans vos intentions. J'avais envie de voir, de tenter l'expérience. Il faut que ça cesse. Quoi? Ta dépravation, tes voluptés illégitimes, ta vie de débauche. Dans tout ce que j'avais fait avant, j'avais l'impression de tenir des choses qui sont un peu fausses. Et donc on m'a appris à désapprendre et à réinventer. Madame, voulez-vous que je vous parle, Alex? Assez. Et je vous promets à 1000 fois. Répéter, c'est pas refaire, quoi. C'est réinventer, en fait, faudrait dire. L'Antonov. Quel accord? Explique-toi clairement, Sophia. Tu ne me parles pas des femmes, tu me parles des familles, une fois par jour, j'en ai assez. J'ai appris énormément de choses, surtout sur moi-même. Sur la confiance, les gens, les relations amicales. Je pense que c'est important dans ce métier d'être soudé, d'être plusieurs. Quand vous avez un rencontre avec quelqu'un, profitez de ce rencontre pour enrichir l'expérience. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Montpellier, c'est une ville très jeune, très étudiante, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'infrastructures. C'est une région qui est très très riche artistiquement, puisque des élèves de première année ont déjà, dans les premiers mois de leur formation, pu faire leurs premiers pas sur des plateaux de télévision ou de cinéma, voire sur des scènes de théâtre. Lui dire que le cœur ne doit pas être lui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Une contrainte est pour vous source de jeu. Je sens que j'ai beaucoup progressé et je suis très contente du parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant. L'année, la possibilité de l'extérieur et de la liberté et du futur possible. On peut pratiquer son art et on peut pratiquer son métier partout. Tout ce champ d'expérimentation-là, c'est maintenant.